Moi, je m'appelle Vincent, j'étais de la promo 2010 et maintenant je suis analyste quantitative du risque de marché à la Royal Bank of Scotland. J'avais commencé l'option pyrotechnique, mais plutôt que de faire mon PFE, j'étais parti faire un double diplôme en Australie. Ensuite, je suis resté dans cette université, donc l'Université nationale australienne, pour faire un master de recherche. Et puis, je suis parti à l'Université d'Édimbourg pour faire mon doctorat en physique nucléaire. Et donc, à la fin de mon doctorat, la Royal Bank of Scotland est venue m'approcher. J'ai donc rejoint le groupe il y a presque 2 ans. Mon métier consiste à m'assurer que les prises de position de la banque sur les marchés financiers soient sécurisées. C'est-à-dire que dans le cas d'une nouvelle crise financière comme en 2008, la banque survive et aussi les capitaux nécessaires pour réinjecter de l'argent dans l'économie. Ma journée typique, c'est d'abord de lire les news financières le matin. Ça, c'est pour me donner une idée de ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Puis après, c'est en ce moment, nous, on fait les stress tests, donc qui sont les régulateurs financiers qui envoient un scénario type catastrophe financière. Et on va vérifier la résilience de la banque. Et donc, moi, c'est de vérifier que tout sous ce scénario, donc je fais de la programmation, sous ce scénario, le livre de compte n'explose pas en exposition. Un aspect particulièrement passionnant, c'est de faire de la recherche sur le livre de compte et de travailler, donc c'est très mathématique, et à partir de là, d'ouvrir des projets qui vont être très humains, où il va falloir interagir avec parfois les gens qui ont vendu ces produits pour comprendre les positions. Mon poste actuel est très différent de la formation que j'ai suivie à l'ENSA. Mais je trouve que j'ai vraiment été bien préparé à être opérationnel et à délivrer des solutions complexes dans leur technicité, mais en même temps très claires dans leur exécution. C'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui d'utiliser ce qui va être mathématique ou la technique de pointe, mais à savoir l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas forcément mathématicien ou ingénieur. Et moi, je pense qu'à l'INSTA Bretagne, on est très bien formé à être technicien et opérationnel. Technicien dans le sens mathématicien. Bon, il y en a beaucoup, donc ce serait compliqué d'en tirer vraiment un. Moi, j'ai vraiment adoré être membre du BDE. La première année ici, j'ai des souvenirs absolument mémorables. Le tournoi sportif de printemps, je sais ce qu'était à l'époque, c'était vraiment, vraiment génial. Les voyages au ski qu'on avait organisés aussi, c'était vraiment génial. J'ai vraiment des très bons souvenirs de mon époque à l'INSTA Bretagne.